ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله l'explication aujourd'hui s'exprime concernant خُلْ الله سبحانه وتعالى. On comprend bien, nous, les musulmans, une chose principale qui différencie chez nous des kafirs, c'est nos croyances en Allah سبحانه وتعالى. Nous, les musulmans, nous venons, Allah رب العالمين في الأولون venons vraie croyance concernant les créateurs, contrairement à les kafirs qui disent que je crois dans la chose qui est fausse. Alors, un musulman, quand il comprend l'importance de son aqida, il vient toujours rassurer que son aqida est un aqida qui a compris le Coran et le Hadith, ne n'a pas senti en dehors l'enseignement Allah et son Rasoul, en dehors ce qui va le Sahaba radiallahu anhum, t'il l'oula. Branche de l'aqida qui est plus important, et c'est ça même, et ça c'est ça qui considère comme base de l'aqida, c'est une croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, celui qui est capable et a une bonne croyance concernant les jours du Qiyama, sa croyance dans le prophète est correcte, mais si sa croyance en Allah rabbul alamin, ça même fait une fossé, alors, par la base même fait une fossé, tout pour fausser. Alors, dans tout ce qu'appelle aqida, nous aqida à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui est le plus important. Et croire en Allah, un dimanche n'est pas capable et n'a une bonne croyance, lors Allah subhanahu wa ta'ala, aussi longtemps qu'il n'est pas comprend ce qu'appelle troll Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, troll Allah rabbul alamin, est-ce qu'il existe un trône? Il existe, ou bien Allah Rabbul Alamin est élevé dans ce trône, c'est une expression. C'est une expression. Alors quand vous pouvez, c'est un qui fait une cause concernant ce sujet-là, nous trouve, je démentis l'existence d'un trône. Je démentis l'existence d'un trône. Directement ou bien indirectement. Frère Abou, le verset concernant Surah 7, verset 54, quand il cause concernant ça, alors il dit qu'il ne faudrait pas nous croire qu'il y a un trône qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'inassis, l'oula, il dit, mais trône Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah rabbul alamin, sur l'autorité, libère tout. L'autorité. Allah Rabbul Alamin, il est au trône, et pour lui, c'est Allah Rabbul Alamin, sur l'autorité, il n'est pas tout. Alors, ça, c'est un erreur de ce corps. Définitivement, il n'y a pas un démon qui est le trône, un certain aqida, comme a fait l'Ina, le Jahmiya, le Sha'ira, le Mu'tazila, la victime d'un certain aqida qui ne connaît pas exactement qui il veut dire, qui n'a pas à dire. Donc, nous sommes là. Il y a tout le temps qu'il affirme l'existence d'un trône. Trône, Allah Rabbul Alamin, c'est une créature qui existe. Il n'a pas de description. Alors, quand nous pouvons étudier le Coran, le Hadith, qui veut concerner le trône, Allah Rabbul Alamin, nous comprenons que le trône, Allah, il existe. Ça, quoi, mais nous, pour que nous comprenons le aqida de Allah Rabbul Alamin. Parce que, quand on finit là, quand on a fait une false qui trône Allah Rabbul Alamin, je finis avec ça comme une expression. Allah est au trône, c'est une expression. Allah sur l'autorité il pas tout. Allah Rabbul Alamin ne domine pas tout. Alors quand je finis avec ça comme une expression, c'est la même qui. Sa conception-là, l'implication de sa conception-là, il amène soit vers l'aqida wahdat al-wujud, petite chose, c'est Allah, ou bien vers nier l'existence Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, Allah Rabbul Alamin, il n'a pas existé. Pour nous, Allah Rabbul Alamin, il existe en tant que créateur,
apporte-lui les créatures. Tout ce qui existe, c'est ma créature. Allah Rabbul Alamin, les créateurs, il n'a pas d'homme. C'est ma créature. C'est ma créature, n'a pas d'homme. Allah Rabbul Alamin, les créateurs, il est séparé de ce ma créature. Allah Rabbul Alamin, il est élevé, il est au-dessus, il est là-haut. Tout ce qu'il appelle créature. Allah Rabbul Alamin, il est là-haut. Tout ce qu'il appelle créature. Alors c'est ça, Aqida, qui tout le temps, mais j'ai un sahaba, radiallahu anhu. Et imam, imam, les quatre imams, et les autres quatre imams, tout le temps, filmaient à l'aura qui aqida à Allah, qui nous tue le bizaïna. C'est pas qu'Allah Rabbul Alamin est partout, ou bien qu'Allah Rabbul Alamin n'est pas séparé de ça, le monde-là, mais la conception c'est qu'Allah Rabbul Alamin est au-dessus, est élevé, l'autre se trône. Alors, nous l'étions un petit peu. Comment Allah subhanahu wa ta'ala ou bien son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait de nous certaines informations concernant trône. Parmi Allah Rabbul Alamin fait décrire lui-même comme le maître du trône. Alors quand Allah Rabbul Alamin fait déclarer et décrire lui-même comme maître d'une petite chose, il n'est pas capable de mettre d'une petite chose qui pas existe. Il n'est pas capable de mettre d'un moyen d'expression. Allah Rabbul Alamin, il est maître d'un trône, mais tiens, sa trône-là est une chose qui existe. Allah Rabbul Alamin, il dit Innahu la qawlu rasoulin karim, li quwwatin 'inda dhil 'arshi makin, muta'in, thumma amin. Allah Rabbul Alamin, de quoi je pense à Jibril? Que Jibril, il y a un messager d'Allah. Maintenant, c'est un message d'Allah, c'est un message d'Allah, c'est un message d'un prophète. Alors, Jibril, c'est un message d'Allah, du quoi, il y a un ange qui est dans la force, inda dil arsh, makinun, un ange qui est un rang élevé auprès maître du trône. Il y a un ange qui est un rang élevé auprès maître de sa trône-là, ou Thamma Amin, Mouta'il Thamma Amin, il y a obéi et il y a un qui honnête. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on se concerne à Jibril, qui est l'information qu'Allah Rabbul Alamin veut donner nous concerne à Jibril? Jibril alayhi salam, c'est un ange qui se rend élevé comme qui s'en a auprès d'Allah. Qui Allah Rabbul Alamin veut dire? Jibril se rend élevé auprès maître du trône. Donc, Allah Rabbul Alamin il décrit Ali comme maître du trône, le trône là, il y a une chose qui existe. Ça nous est l'issue. Deuxièmement, dans le Coran, Allah Rabbul Alamin il décrit ce trône comme Al-Arsh al-Azim et aussi Al-Arsh al-Karim. Parmi Allah subhanahu wa ta'ala il dit أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Est-ce que je fais croire, je fais penser qu'il nous fait une création inutilement sans aucune raison et qu'il n'a pas pour retour vers nous? Allah Rabbu l'Alamin dit فتعالى الله الملك الحق. Allah Rabbu l'Alamin de vérité, il est au-dessus de ça. Allah Rabbul Alamin n'a pas fait quelque chose inutile. La ilaha illa huwa, pena aucun rab, n'a pena aucun ilah excepté lui, excepté Allah, Rabbul Arsh al-Karim. Allah, le rab de sa arche qui karim là, le rab d'un trône qui karim, d'un trône qui noble. Donc, Allah Rabbul Alamin, il peut décrire ce trône comme un trône de Karim, un trône noble, et dire c'est une chose qui existe. Et comme ça même, Allah Rabbul Alamin dit فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. C'est maintenant tous les deux. Alors dire, moi, Allah Rabbul Alamin, il suffit pour moi, n'a peine aucun ilah excepté Et Allah Rabbul Alamin, le Rabb d'un trône azim, un trône qui vient grand, un trône qui n'a qu'en valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, ça c'est un Al-Qur'an qui veut dire, qui veut décrire trône comme Al-Arsh al-Karim, un deuxième Al-Qur'an qui veut décrire trône Allah subhanahu wa ta'ala comme Al-Arsh al-Azim. Le hadith aussi, il a plusieurs fois, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand on visite un démon qui est malade, il nous dit à cette fois contre lui, As'Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yashfiyaka. Mon père, demande Allah Rabb al-Alamin, Al-Azim, le très grand, et j'ai semé qu'il y a le suprême, mon père demande Allah Rabbul Alamin, lui en tant que Rab d'un trône qui est azim, mon père demande pour qui il donne toi de la santé, il guérit toi. Donc, Allah Rabbul Alamin peut décrire ce trône comme Arsh Karim, Arsh Azim, et d'après cette Qira'a, il dit Amina aussi, Majid, et comment vous voyez, si. العرش مجيد سيبا كسرة إن لوت سيبكاشون سيبا ضمان إن لوت سيبكاشون صار إن لوت سيبكاشون كاشون أجي منا بلغوا مشون كلا الله سبحانه وتعالى رسول في الدنيا أوسي من صحابة رضي الله عنهم في الكورس كونسيان أوسا سيكي عرش الله لبوري من premier créature d'Allah. En vérité, la divergence pour un savant est quelle créature qui premier, quelle chose qu'Allah Rabbul Alamin qui crée premier. Finalement, c'est un savant. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit la première créature, c'est Arsh. Première créature, c'est trône Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est un savant qui dit la première créature, c'est plume. Mais quand vous voyez le hadith là, il y en a un petit. Et là, quand on fait ma prière qui veut dire arche, on arrête arche. Quand on fait ma prière qui veut dire plume, on arrête plume. Et effectivement, nous n'avons pas pour autant au fond de sa masse à la là, soit les sangs soit les autres là, mais définitivement, arche, il pourrait pas être une première créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est pas lui-même, première créature d'Allah Rabbul Alamin. Donc, le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, déjà de Bukhari, كان الله ولم يكن شيء غيره. Allah j'existe et pas t'en a non ni apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Allah j'existe, n'a pas t'en a non ni apporte Allah Rabbul Alamin. Wa kana arshuhu ala ma su arsh tilodilu. Ce trône tilodilu. Wa kataba fi dhikr kulla shay'in. Et il écrit dans le dhikr toute une chose. Comme il dit dans sa hadith, Allah Rabbul Alamin dit pour ce concernant lui-même en tant que Rab le premier. Et l'India, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a jamais information qui nous donne ce qu'il dit. Allah, sur Arsh, qui nous dit, un troisième qui nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui Allah Rabbul Alamin vit écrit et destin de tout qui nous dit. Alors Arsh, d'après sa hadith, il paraît avant qu'il dit, avant d'être dans mon destin. Il paraît avant destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 50 000 années avant qu'Allah Rabbu l'Alamin crée la déchirée la terre, il fit écrire le destin de ma créature وعرشه على الماء. Sur Arsh, tu l'as dit. Sur Arsh, tu l'as dit. Alors, ce hadith là aussi, le montrez-nous. Mais dire, Allah Rabbul Alamin, quand on peut écrire un destin, Souarj, tu déjà l'eau, tu déjà l'eau de l'eau. Alors, ça déjà le hadith là aussi, mais prouve qui Arsh, Allah Rabbul Alamin, tu déjà existe quand on peut écrire, quand on peut écrire un destin. Quant à Ban Ulama, ma chère Al-Bali, il y a certains encore, qui me base pour dire, qui me dit, c'est plus la plume qui vient d'être créée en premier, c'est hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dit, إن أول شيء خلقه خلق الله القلم وأمره فكتب كل شيء يكون. Première quelque chose qui Allah finna, qui Allah fin crée, c'est la plume. Et ensuite Allah Rabbul Alamin fin donne une plume pour écrire toute quelque chose qui peut exister. C'est-à-dire qu'il y aura une destinée, pas quelque chose. Alors ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui veut dire première quelque chose qui Allah fin crée, c'est plume. Quand le prophète fait la première quelque chose qui Allah fin crée, c'est plume, première. Mais c'est premier. Mais, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il est super ulama, Madarmi, il est 180, il y a ce livre qui est révélé à Al-Jahmiyyah,
Alors expliquer qui ça l'a fait. D'après ben, les autres hadiths qui nous citaient là, ça écrit des termes, les finali après que Arsh qui déjà existe. Alors ça hadith, comme le prophète veut dire, première petite chose qu'elle a fait, c'est la plume. Mais tu sais, c'est la plume sans qu'il nous pose, sans me faire référence à Al-Arsh, parce que Arsh, ça lui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu ta'ala, A'lam. Alors, soit qui c'est sa même première créature d'Allah, ou bien qui c'est la plume qui est première créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tout ça là, les groupes qui trônent cette créature. Le gars, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, dit خلق الله أربعة أشياء بيده إن كانت تسوز كالله سبحانه وتعالى كريه أبن سلام العرش سطحن هو آدم آدم عليه السلام والقلم الأقلم وجنة عدن إنسان كانت تسوز جنة عدن وقال نساء الخلق كن فكان اللي غير من تسوز إلا رب العالمين في الدستية il y a soit bin en existence, qu'il soit bin en existence, il y a bin en existence et qu'il soit bin en existence. Donc, le Sahaba, radiallahu anhu, il y a la conception qui arrive au Coran, il affirme qu'Allah Rabbul Alamin il crée Adam avec ce dynamé. Et Allah Rabbul Alamin, quand il dit à Iblis, qui vient empêcher toi, fais un sajda à ce qui m'a créé avec moi. Avec moi, dynamé. Ça peut prouver qu'Adam alayhi salam, son création, n'est pas pareil comme Iblis. Sinon, Iblis, qui dit vous dire, Allah, moi, je te crée avec toi, moi aussi, je te crée avec toi, je te dynamé. Et dire, Adam alayhi salam, c'est lui qui vient être créé. Mais le roi d'Irami Allah, vous l'allamez, contrairement à Iblis et les autres bannes, ma créature, alors comme ça même, trône Allah subhanahu wa ta'ala, les finettes créées, à part, via Allah subhanahu wa ta'ala, qui crée avec son propre lamé. Et le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, finit d'écrire, trône Allah subhanahu wa ta'ala, les finettes causes qu'on s'est grandir, trône Allah, vous l'allamez, d'une façon qui l'insane sur l'esprit n'a pas pour comprendre, parce que définitivement c'est une petite chose qui concerne Allah Rabbul Alamin. Quand nous réfléchissons, c'est qu'Allah Rabbul Alamin, comment Allah Rabbul Alamin, il n'a pas décrire ce arche, l'arche l'azim. L'arche l'azim veut dire un trône qui est grand, un trône qui est bien grand. Alors qui grandit un trône Allah subhanahu wa ta'ala. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا ست لشل en comparaison avec Allah son كرسي لكما un bab qu'ils étaient dans des airs ست لشل en comparaison avec Allah رب العالمين son كرسي c'est, comment dire, il y a cette plaquée-là, c'est comment dire, une bague. Coursi Allah, mais comment dire, un désir. Comment une bague, il perdit dans le désir. Comme ça même, cette l'échelle, vous savez qui nous connaissez, cette l'échelle, il perdit devant. Allah, mon alamin, ce coursi, pareil comme une bague, perdit dans un désir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة أستير كرسي en comparaison avec عرش الله الله رب العالمين سو كرسي en comparaison avec سو عرش et ça les gens me trouvent une différence entre عرش الله et كرسي الله الله رب العالمين سو تخل et un كرسي on vous traduit 16 alors c'est des petites choses différentes. Kursi, les petits petits qui arche, les beaucoup plus grands, qui est Kursi. On va parler de cette échelle, on va dire bague dans le désert. Comme ça, même Allah Rabbul Alamin, ce Kursi, les Koumadia, un bague dans le désert devant Allah subhanahu wa ta'ala, ce arche. Et le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va nous comprendre qu'arche, c'est un une plus grande créature qui est capable d'exister
اللي نسينا إلى الدعاء نقوسا قبض بجوي ليانجيا كي أنواع الفجر النبي صلى الله عليه وسلم في سوسي بي قلت لي شو ماذا بجوي ليا إكي سماذا ملا تحسين دبلا لنحسين دبلا كل في صلاة الفجر إيه اللي نحس نعبادة النبي في نعلي بعد بعد من بس بوم ليتان ديو ليبيني صو بدأ عندي أقول سليم يلبي quand il rentre une grande joie il y a la vie Allah manha il y a encore dans sa place quotidienne il a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il m'a dit est-ce qu'il m'en allait on retournait encore la même là joie il y a la vie Allah manha il y a oui on toujours là et j'en prie fait dhikr Allah on fait ibadat Allah subhanahu wa ta'ala le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات moi après qui m'ont sauté pour toi mon sita yeah quatre phrases trois fois elle doit de quatre phrases mon yesa doit là trois fois la wuzina bima qult mon de l'yaw la wazat la wazanat hun si tu pèses ce qui toi te peut te faire et du fajr c'est ça ils ont éveillé ramadan moi ça décret que quatre phrases qui m'ont fait lire trois fois là, c'est qui pour moi là, les plus lourds qui pour toi. Et Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un dhikr qui n'a pas mal, les gars. Qui ça, dhikr là, ça? C'est un dhikr qui est connu. Qui ça, dhikr là, ça? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi. ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده بجبوية الله بسيلوجا عدد خلقه بجيا نفيلوجا الله نبقام سبيوتي quantité de souveraines créatures. Il y a quantité de créatures qu'Allah a créées dans les cieux, dans la mer, dans la terre. Quantité de créatures qu'Allah a créées. Nous verrons Allah subhanahu wa ta'ala. Sa quantité là. Nous verrons Allah, nous proclamons ce grandeur, ce pureté. Quantité ce qui est satisfait. Nous proclamons la pureté Allah, nous proclamons. Vérifie Allah subhanahu wa ta'ala poids d'après poids des sous-arches d'après la quantité l'eau qui sous-arche l'eau et quantité langue de sous-bannes paroles alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par sa du'ala il est bien saïnou et le Nabi rahmahullah c'est un hadith al-Qur'an qui arche Allah trône Allah c'est une créature qui vraiment c'est une créature qui vraiment nous, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme il décrit, il fait bien manchon, il prend de sa trône là, il fait manchon d'une petite sauce qui loue, une petite sauce qui loue. Et là, il est bon, comme il me dit à sa du'ala, du'ala c'est, wazinata arshi, wazinata arshi, si nous estimions, wazinata arshi, c'est à son avis. Essence c'est zina, c'est voisine, poids de ce trône, tandis que zina, c'est qui était? C'est beauté de ce trône. Alors, signification là, les goûts, les puissances existent pour qu'il y ait tini, un tini, un tini voyelle, verminen, un nom voyelle, signification là, les sensés, et qui ont été voilà, subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimat. Donc, trône Allah, c'est une grande créature qui vient nous et nous fait éloge Allah. C'est-à-dire quantité qui s'acquiert, ça trône là, les loups. Et d'après Hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il vient nous connaître, qui trône Allah, il y a une créature qui a la patte, les paris françaises, la patte. Alors comme ça même, trône Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une créature qui existe. Avec la patte, le hadith de Bukhari. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Annasu yus'aquna yawm al-qiyama, jour qiyama, ben djimun kapu, donne la sauce, sa trompette là, il y a tout pour frapper pour mot, et il dit
بلكي ده قبر بلكي دي بانتو وتوبي فأكون أول من يفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي أعطيكي يا كسوفلي يا كسوفلي ده ديجا فوا سي موا لو بريمير كي بوغ ما ديا بوغ غاي كونيسونس رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي سي موا لو بريمير كي بوغ غاي كونيسونس فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش كما بوليفي بوبوتخوم موسى عليه السلام لي ديجا دي بوت دي كاب ان لا با كومي با لا با دي عرش فلا ادري افاق قبل او جوزي بالسع سعقتي الطول النبي صلى الله عليه وسلم دي ما كوني سي با لي بوغاي دي لي دي كونيسونس افون موا او ني كي ديجا سا سا فراكمون كي فيني لا جو كي تشي لو مونتا دور ما جا سي تان لي في باس كوا جو الو لي با نغاي سا سوكلاي ici vous voyez par exemple si pas une bonne connaissance dans le monde de Baza alors ça a dit par qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire moi pour le premier qui voulait vers une connaissance jour et yama quand moi pour lever on vous trouve vous allez cela il y a marqué dit il y a trap en pour il la patte de al arsh donc c'est une créature qui existe Allah subhanahu wa ta'ala min créé et comme ça même pour manière vous marchez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous توجد صحيح البخاري قم سيرا سعد ابن معاذ رضي الله عنه سعد ابن معاذ رضي الله عنه الضامي بن شف على الصار كي بنا تبسلي في نعمة يتمو دا دا بن شف كا في السجيز ما وسنبال قريضة لبوفيت صلى الله عليه وسلم يجي اهتز العرش لموت سعد ابن معاذ خل الله في البخ كان سعد بن معاذ في المو خل الله في البخ كان خل كان خل الله سبحانه وتعالى في البخ كان سعد بن معاذ في المو donc ça peut montrer vous bah il y a des sahaba là et ça peut montrer nous aussi qui خل الله c'est quelque chose qui vibre خل الله رب العالمين c'est quelque chose qui vibre ensuite Parmi l'information encore qu'il y a dans le Coran et le Hadith concernant l'Arche, c'est qu'on Allah subhanahu wa ta'ala l'a prouvé, on veut dire, et l'a démenti qu'on Allah zis qui veut, parce qu'il se affirme qu'on Allah l'a une place, et dans le Coran et le Hadith, veut dire qu'Allah l'a élevé dans ce trône, veut dire que pour Bizan, résette sa conception qu'il y a Allah dans la ligne, n'est pas tout, c'est la même qu'ils ont falsifié, Allah l'a sur le trône, je falsifie ça comme si c'était un terme. Allah l'a sur le trône, veut dire Allah sur l'autorité, libre, partout. Mais le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est clair, la Bukhari, il est dans le hadith, trône l'idée à une place. Par exemple, dans le hadith, il nous a terminé, dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ma qala abdu la ilaha illallah, qad mukhlisan, illa futihat lahu abwaab as-sama. حتى تفضي الى العرش ما اجتنب الكبائر بقول صلى الله عليه وسلم نافوكم المسلمون لجي لا اله الا الله بكل sincérité سوريكيا لجي الفيسا ذكر لا اله الا الله بقول صلى الله عليه وسلم جي بان لا بوت لي شيل اوفير سا ذكر لا بان موتي بان لا بوت لي شيل اوفير لي باس بور بان لي شيل حتى تفضي الى العرش جسكا كي يغيب كل العرش جسكا كي يغيب كل العرش وفجاء اجتنب الكبائر فدك ساجي مولا يجي من كي لسنا دو بالكبائر فدك ساجي مولا يجي لسنا دو بالكمبيسي يجي يجي من كي لسنا دو بالكمبيسي يجي لا إله إلا الله بالسانسيريتي يقول صلى الله عليه وسلم كي يجي صادق لا موتي لا قوت لشيل أوفير Ça indique le mot jusqu'à Arsh. Il dit Arsh Allah lilao banishil. Arsh Allah lilao banishil. Comme ça, dans le hadith de Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Faïda sa'altumullah fasalouhu al-firdaus. Quand je vous demande Allah subhanahu wa ta'ala jannah, demande Allah rabbul alamin jannah al-firdaus. Faïnahu awsahu al-jannah wa'ala al-jannah. Sam jannah, veillez, sam jannah qui plus haute.
سان وجا داون لداس كي بوينا تجنة لداس كي بيعد سجنة الفردوس البوفيت صلى الله عليه وسلم جاء وفوقه عرش الرحمن لاو جنة لاو جنة الفردوس إلى كل الله سبحانه وتعالى لاو جنة الفردوس إلى كل الله سبحانه وتعالى يقول القرآن الحديث جنة لوريشل للبروفيت صلى الله عليه وسلم بيجي لو جنة إن أدخل الله سبحانه وتعالى بيجي أدخل الله رب العالمين لناو تسكي إنسيسا كما خي خياتيا للبروفيت صلى الله عليه وسلم دعا القرآن الحديث للبروفيت صلى الله عليه وسلم في كان يقول كي تخل الله سيد الخياتيا كي إن أبان أنش بيتصايري إن أبان أنش بيتيني القرآن الله سبحانه وتعالى بيجي الذين يحملون العرش ومن حوله بان كي بسالي لتون إذا بان آش كي بسالي سأقولنا ومن حوله إبان كي بجي أزدتو سأقولنا يسبحون بحمد ربهم سلم في التسبيح فيلوج ستربة ويؤمنون به ستم الإيمان لله سبحانه وتعالى ويستغفرون للذين آمنوا إذن في استغفار بان من أمان الإيمان دوك الله رب العالمين بجي بان آش كي بسا يدخل الله بان آش كي بتني دخل الله سبحانه وتعالى تحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جي ربنا اسمه ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش كألا سبحانه وتعالى يدخل أن كيسوس بانتي بصال يدخل سكي التسبيح وما إلا رب العالمين لبقان السجن بانتي بصال يدخل سكي التسبيح ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا فجية كمان كي بيصال يدخل زن أقان كلا رب العالمين في دقيقة كتشوف زن في التسبيح كزن في التسبيح للبروفيتية بان كيلو بان أنس كيلو ست شام لشيل زن في التسبيح كبان أنس كيلو ست شام لشيل في التسبيح بان أنس كيلو ست شام لشيل في التسبيح كسيجا بلش في التسبيح ساكن في التسبيح كفينالمان للبروفيتية جسكا كي ستسبيح لا يعني كده premier l'échelle pour nous. Mais dire ce qu'il fait vous comme premier l'échelle. Alors c'est Hadith et Hadith Player. Pour qu'il nous comprend, premier l'échelle, il est en bas deuxième l'échelle. Deuxième l'échelle, il est en bas troisième. Troisième en bas, maintenant jusqu'à septième l'échelle. Septième l'échelle, il est en bas qui était. Et on va prendre Allah subhanahu wa ta'ala et dire là au septième l'échelle, nous allons prendre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, un dimon, ce qu'il est là pour accepter, ce qu'il est là dans le Coran et le Hadith, et il y a un dimon, mais pose question. Le monde rond, l'échelle rond, alors comment trône Allah subhanahu wa ta'ala, il a autour, tout ça là, c'est une salle sur l'esprit, pas nécessairement les mouvements, toute chose qui est là, en fait, la réalité là, comment il y a été, nous existons un iman de Allah subhanahu wa ta'ala, toute chose là, lui, existe dans sa façon là. Et c'est l'Iban, voilà une chose qui est en cours, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne, qui on va trôner Allah subhanahu wa ta'ala, il a un réseau parmi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Moussera, il dit à l'ayat 2, sur la Baqara, « وَعُطِيتُ هَذِي الْآيَاتِ آخِرِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَهَا نَبِيٌ قَبْلِي » البروفيت صلى الله عليه وسلم جيا سبع سبع آية آية في سورة بقرة لا الله رب العالمين في الدنيا وسا من كنز تحت العرش الله في الدنيا وسا بعد آية لا depuis un trésor en bas arche depuis un trésor en bas trop Allah subhanahu wa ta'ala le prophète dit avant moi aucun prophète pas fait gain ça comme ça même Abu Dhar radiyallahu anhu jiya وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. للبروفيت صلى الله عليه وسلم في كونسيمون. لا حول ولا قوة إلا بالله أن كونتي فإنهن من كنز تحت العرش
لا حول ولا قوة إلا بالله لبغيت ناصري أبو ذر لا حول ولا قوة إلا بالله قرشتي لجا لا حول ولا قوة إلا بالله سي ينتريزو أن با ترون الله سبحانه وتعالى تكون سامم لبغيت صلى الله عليه وسلم بنا فومو كيرا كيتشوز كي أبندان أبي ترون الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجي الرحم معلقة بالعرش الرحم فاميليال سيدا كيتشوز كي أبندان أبي ترون الله رب العالمين تقول الرحم فاميليال بيجي من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله Relation familiale, dire à celui qui zoigne moi, mais bien les gars, bon relation avec son proche, Allah pour vous, vous zoigne. Celui qui zoigne moi, Allah pour zoigne. Celui qui casse moi, Allah pour l'alamine, vous casse. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le père nous connaît que relation familiale, c'est une chose qui est dépendante avec trop d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, comme on s'en va qui chahit dans le chemin. الله سبحانه وتعالى للمفيد صلى الله عليه وسلم يجي أرواحهم في جوف طير خضر يجي سبك شهيد شمع الله زبروه لدوان زوازو فيه لها قناديل معلقة بالعرش زب إلى باللامب كي أقاندان أبيك عرش أبي ترون الله سبحانه وتعالى دونك إلى باللامب كي أقاندان أبي ترون الله سبحانه وتعالى كي بالنات كي شهيد زب لبا دونك سابي مدرينو أوسي سابي مدرينو كي ترون الله سبحانه وتعالى سيدة كي تصوز كي إلى بالنا إلى مدريزو مبا إلى بالنا كي تصوز كي أقاندان أبيك سا Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il enseigne aussi, c'est que tous les jours, soleil, quand il y a le coucher, il y a le coucher, il y a le coucher, on va trône Allah subhanahu wa ta'ala, les gains et les permissions, et là, il est vu dans des mains, quand il laisse, mais pour un jour, quand il peut aller, ou elle fait sajda, on va trône Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas pour gain et permission pour qu'il y ait vu dans des mains, quand il laisse. Et la même qui voulait écouter, côté l'ouest, donc ça aussi, c'est un hadith qui est tout dedans, Sahih, Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et informe-nous que quand le soleil a le poussé, et a le poussé en patron Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est ça un petit peu concernant cette information, dans les autres informations en gros, concernant trône Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce qui nous dévance un petit peu, simplement pour rassurer nous, quelque chose qu'il nous déjà connaît, trône Allah, il y a une créature qui existe. Trône Allah, il y a une créature qui existe. Allah, il est sur le trône, ce n'est pas une expression pour dire qu'Allah, c'est l'autorité, les bandous, mais Allah, Rabbul Alamin, est élevé sur le trône. Est-ce qu'il nous gagnera pour cette question? Comment Allah, Rabbul Alamin, est élevé sur le trône? Définitivement, ça, il n'a pas permissible. Pareil, comment? Il y a une croix en Allah. Par contre, Allah a voulu aller avec vous, Marie, alors comme ça même, Allah a élevé ce trône. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a élevé ce trône? Ça, nous n'avons pas connu. Et finalement, certains qui disent Allah a assisé ce trône, Allah a établi ce trône. Ça, c'est pas dire qu'il nous n'a pas servi. Nous n'avons pas dit Allah a assisé ce trône. Nous n'avons pas dit Allah a établi ce trône. Nous dire الرحمن على العرش استوى الله لي استوى لو سكون استوى بجاي élevé لي au-dessus de ce trône Allah لي là-haut ce trône et donc quelque chose que c'est un malvidati je avance je t'amène comme argument pour démentir ça aqida qui va de sahaba toujours là je avec quand même profond se dire mais si risque qu'on a car il si risque-là qui arrivait, c'est-à-dire là où tomber, comme si trop petit n'est Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, veut dire un dernier imbécile aussi, il n'a pas pour une conception qui paraît, qu'Allah est libéré bien quelque chose, et n'a quelque chose qui tient Allah subhanahu wa ta'ala, à la bouteille, il y a rahimahullah, qui dit, jamais, veut dire qu'il est musulman fini dans sa conception-là, qui Allah Rabbul Alamin, il a besoin de drone. Allah Rabbul Alamin n'est pas besoin d'en y. Il y a une salle, quand il a 6 doigts de 16, il
ils ont besoin de sa César pour Tirili. Quand ils voulaient assis sur le sofa, ils ont besoin de sa sofa là pour Tirili. Mais Allah Rabbulah est venu au-dessus de ce trône, définitivement pas d'une façon qui trône là, mais Tirili Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ça un petit peu concernant trône Allah subhanahu wa ta'ala. À part l'Ida Hadida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne jour qiyamah où il y a certaines qui vont en bas l'ombrage trône Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi montrez-nous qui trône Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire une chose, une créature qui existe. C'est ça un petit peu inshallah le dégage de notre capable parce qu'on l'a dit bien en détail sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sallam 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 w